Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu nouvelle création, enfin présentation de quelques petites créations. En fait, je suis tout simplement d'anniversaire ce week-end et du coup, j'ai fait des petites créations pour l'occasion. Je trouvais ça sympathique. Donc, je n'ai pas arrêté la Fimo, même si c'est en stand-by depuis un bon moment, mais j'ai pas vraiment arrêté mes créations. Je compte reprendre très bientôt, enfin, j'espère avoir le temps. Mais je vous ai déjà dit que j'étais souvent très très prise et qu'en fait les créations c'est un peu compliqué pour moi d'en faire en Fimo, j'en ai quand même beaucoup à monter. Mais là du coup je m'y suis un petit peu attardée pour cet anniversaire quand même, parce que je suis vraiment très très contente et je voulais faire quelque chose d'assez personnalisé. Donc du coup j'ai réalisé cette petite boîte, enfin j'ai customisé cette petite boîte en bois et à l'intérieur je vais mettre les 4 petits cadeaux que j'ai réalisés dans des petits sachets organza séparés, enfin faire un petit peu un décor rien qu'à l'intérieur de la boîte. Donc je vais vous présenter un petit peu plus en détail la boîte. Donc c'est une genre de boîte à bijoux qu'on retrouve souvent dans les magasins de loisirs créatifs que j'ai peinte en rouge. Donc elle est entièrement peinte en rouge. Et sinon sur le dessus il y a un petit décor. D'ailleurs je dois faire une petite retouche de peinture avant de partir ici. Donc en fait vous avez deux petites feuilles ici en pâte polymère, un petit Oreo un petit peu pailleté, deux petits cabochons, enfin un petit peu des roses comme ça incrustées. C'est un petit moule que je trouve vraiment sympa, que je me sers souvent. Deux strass violet et rose et un petit biscuit en pain d'épices comme ceci. Donc voilà pour la petite boîte. Donc c'est des petites créations faites comme ça que j'ai juste assemblées et collées sur tout simplement sur la boîte. Ensuite j'ai fait un bracelet, une paire de boucles d'oreilles, un collier et un porte-clés. Donc on va tout de suite commencer par le porte-clés. Donc fait avec pour les coques un moule. Donc comme vous voyez c'est un BN. Donc là vous voyez pas trop trop bien la couleur, c'est un petit peu pâle mais il est un petit peu plus foncé que ça. Là vous voyez quand même que la texture est faite. Enfin que la couleur de cuir est quand même faite. Donc c'est un petit BN au chocolat. Donc pour aller avec un petit nœud à étoile blanche, comme ça il est marron. Donc on a une petite breloque Made with Love ici. Et ensuite un petit losange vert et une petite étoile bleue comme ceci. Voilà. Là vous voyez un petit peu mieux. Donc voici pour celui-ci que j'emballerai dans un petit sachet qui est là-bas. Ensuite j'ai réalisé un petit bracelet. Donc là c'est essentiellement du montage. Donc avec des petites breloques musique juste ici et des petites breloques de fleurs comme ça. Donc ça c'est très sympa pour l'été et puis avec les petites notes de musique très sympa pour la fête de la musique, pourquoi pas. Donc c'est monté sur une chaînette réglable. Donc là le maillon est mis comme ceci mais bon après vous pouvez mettre la chaîne en fait à la taille que vous souhaitez. Donc celles-là elles sont vraiment très sympas bracelets comme ceci. Ensuite j'ai réalisé une petite paire de boucles d'oreilles. Donc comme vous pouvez le voir toujours avec des genres de petits cabochons avec des roses comme sur la boîte en fait. Donc ici c'est un petit peu violine, il y a un tout petit peu de dégradé, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Et au bout ce sont des petites étoiles nacrées, donc comme des petites pampilles, vraiment sympa, sur une petite cartonnette pour pouvoir les tenir quand même, c'est toujours plus sympa. Voilà. Et pour la dernière création, on a donc un petit collier. Donc il est monté sur du organza et cordon, oui, du cordon ciré un petit peu, orange. Et c'est un petit cupcake comme ceci, donc doré, avec une chantilly un peu rosée. Et ce qui permet de tenir le collier en place, c'est la petite breloque cuillère donc, qui est dans la création. Voilà également pour ce petit collier. Il fait très gris aujourd'hui, je ne sais pas trop si vous allez pouvoir tout voir à l'écran, mais si ce n'est pas le cas, que vous ne voyez pas assez les détails, je vous mettrai des petites photos bien évidemment à l'écran. Voilà pour cette présentation de création, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire la création que vous avez préférée dans ce lot-ci, pourquoi pas. Ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis et je vous dis à très très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!